Dernières heures, espèce de chien galeux. Sois maudit. Ne suis pas le plus grand. Silence. Allez, Damoclès, viens te venger. Ici. C'est moi, Commodus, non, imbécile. Je suis Commodus. Je suis Commodus. Le spectacle est terminé, Damoclès. Yeah!
sérieux! Ce poison, je ne peux pas prendre de risques, Damoclès. Je sais que tu comprends. Je suis immortel, certes, mais la foule est tellement volage. Un coup de toi et ma réponse. Tu es un homme mort, Commodus. Whoa!
Je suis Damoclès, l'esprit de la vengeance. Tu es le suivant. Tuez-le. Tuez-le. Je ne connais qu'un homme capable de se battre ainsi. Nous allons finir ce que ton père a commencé, Marius. Allez, il faut sortir d'ici. Le Sénat n'est constitué que de vieux couards qui n'écoutent ni la vérité, ni la raison. Je les ai avertis pour les Bretons, mais en vain. Commodus occupe les légions à ne rien faire, tandis que la gigantesque armée barbare envahit l'Empire et sème le chaos en approchant de Rome. Les Bretons ? Oui. Et leur armée a décuplé. Tous les opposants à Rome l'ont rallié. Même les tribus des contrées lointaines ont envoyé leurs gigantesques bêtes de guerre. L'empereur et Commodus se sont fait des ennemis. Tellement d'ennemis. Dans tout l'Empire, ces barbares savent combien Rome est affaiblie par le règne de Néron. Ils viennent nous détruire. Détruire l'Empire. Puisque Commodus est mort, ils vont me demander de le remplacer. Et j'aurai besoin de mes meilleurs hommes pour pouvoir défendre Rome. Quand j'ai compris que c'était toi dans l'arène, j'ai préparé ça. L'empereur doit mourir. Et il mourra. Mais avant, il faut sauver Rome. J'ai besoin de toi, Marius. Bats-toi pour ton père. Bats-toi pour ta légion. Bats-toi pour Rome. Boudica, dont le sort avait autrefois reposé entre mes mains, dirigeait à présent une armée forte de milliers de tribus. Et leurs gigantesques bêtes de siège étaient à nos portes. Tous les maux de l'Empire étaient rassemblés dans la capitale. Nous devons tous répondre de nos actes, Néron. Mais c'est le peuple de Rome qui s'apprête à payer pour les tiens. Ah, Boudica. Ton ennemi n'est pas Rome. Mais bien Néron, qui a fait assassiner nos pères. Et nous obtiendrons vengeance. Mais si l'Empire de Rome venait à tomber, le monde serait plongé dans le chaos. La civilisation serait détruite. Je ne peux pas te laisser faire ça. Attends, Marius.
les défenses de la ville vont rediriger tous ces chiens vers cette place. Ils sont peut-être 10 fois plus nombreux, mais c'est nous qui aurons l'avantage dans cet espace confiné. Et, si les dieux le veulent, Rome verra un autre jour. Ils arrivent. Attendez!